Et ce sont 13 à côté à tous, Dandy 33, là sur le canal 19, il y a de la propague. Oh d'accord, il a fallu que je dise ça pour que... Et 73-51, les stations fréquence de Dandy 33 sur les Girondes. Oh, ça fait le yo-yo, la propague, ça fait le yo-yo. Bon, avec l'intelligence artificielle, hachis trois coups. Ah, ça fait rien de plus, hein. Si, ça remonte un peu. C'est QRP. Attention, Nounours, Barracuda 56, Drakkar pour Dandy 33 qui vous appelle. Attention, Nounours en guimauve et chocolat. Attention, Drakkar. Attention, oh, Barracuda 56 pour Dandy 33 qui vous appelle. Pourtant j'y ai cru. Vous m'avez entendu comme moi. Hein. Avant que je démarre la vidéo, il y a eu une petite pointe. Hein, ça a été très bref. Bon, j'étais pris là de mon côté sur le forum, la planète CB francophone, pour ceux qui ne le connaissent pas. Tiens, à propos de ça, là, c'est pas mal actif là de tous les côtés. Du côté de certains salons, par exemple, ça s'organise pour se rejoindre et tout. Il y a de la bidouille. Il y a ça y va, ça y va, ça y va.
plus le musée qui continue à se construire tout doucement. Ouais. Côté nouveauté, c'est calme là, du côté des fabricants. Et puisque là c'est calme là maintenant, avec des copains sur internet, on est en train de faire mumuse en ce moment sur comment ça s'appelle? Dragon Oz. Et bon là je suis en train de lui faire prendre des mises à jour. On est en train de tester. Qui se dépêche, qui se dépêche. Un logiciel qui permet de transformer une clé, un truc comme ça, RTL SDR, en web SDR. On y accède donc via le navigateur. Voilà, c'est fait. Alors c'est Open Web RX, le tout attaché. Open Web RX, tout attaché. C'est directement intégré déjà dans Dragon Oz. Comme ça c'est plus simple. Mais comme moi j'aime pas la simplicité, j'ai voulu chercher une autre version et tout ça. Et bien j'ai l'air malin maintenant. Bon c'est pas grave. Je vais bien arriver à me débrouiller. Bon, pas du SA. En sup, c'est surtout l'Italie. Ah. Italie. Je vais quand même faire un essai. J'ai un copain du 24 là qui est derrière. CQ, appel de 14 km 3301 Rémi qui lance appel depuis le département de la Gironde. Pouf. Ah, pas le faire. Hein. Qu'est-ce que je suis là? Ciao Enrico, c'est Enrico, s'il vous plaît, quoi. Là, on sait de quel côté la propague. Là, on en est sûr. Petites astuces comme ça. Italie. Qu'est-ce que je cherche? La plupart des stations oublient de balayer également en Lima, Sierra Bravo. On y trouve du monde. Pour
Bon, peut-être pas aujourd'hui, ou alors je suis passé au moment entre deux reprises de micro. Quand ça veut pas. C'est comme ça, il y en a qui s'embêtent, hein. Qui passent des heures et des heures à rester là. Perso, j'ai pas cette patience-là. Donc, du coup, j'en vois pas l'intérêt. Alors qu'on peut naviguer sur toute la bande. Ouais, bon, bah ça, on a vu. Pour ceux qui regardent mes vidéos là pour la première fois, je suis quand même assez loin de tout. Hein. Les grosses villes les plus proches, eh bien, 50 km d'un côté, 50 km de l'autre. Attention, Drakkar Nounours ou Barracuda 56 pour Dundee 33 qui vous appelle. Bon, mais attends un peu. Bon, ben visiblement, avec le temps qu'il fait, la propague est partie à la plage. Faire un petit tour vite fait, enfin un petit tour sur les ondes, surfer un petit peu sur la vague. Et ce sera bon pour cette vidéo. CQ CQ CQDX, appel de 14 kilobytes, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. Merci. Merci.
Le QTH, please. Bon, on se rend pas. C'est QRP là. Je crois entendre Scotland. De toute façon, vu la plage de fréquence, on est chez eux. Il y a quand même de la propague, mais c'est les EM qui sont pas là. Thank you.
Ouais, c'est les EM qui sont pas là. Eux aussi, ils sont partis à la plage. Hachi. C'est l'occasion de faire un test là, on va dire en direct. Là, je suis sur la Sigma Mantova 5, qui est une 5/8. Je la sors, je vais passer sur une Sirio quart d'onde 3 radians. Mais je vais y arriver. D'une installation pas du tout conforme. Comme on voit là, je suis sur un petit câble de 6 mm. Double blindé quand même. Un câble trop long puisqu'il a enroulé plus haut en je sais pas combien de tours sur une étagère avant d'aller à l'autre bout de la maison. Eh bien, ça marche bien. Là, je peux enlever ça. Vous voyez, un Entos. Je suis perdu. J'ai pas voulu les perdre, les perturber, pardon. J'ai changé de fréquence, j'aurais pas dû. Alors, petit clin d'œil à ceux qui crachent comme il faut sur les antennes quart d'onde, comme on le voit sur les réseaux sociaux, ben, ça marche très bien quart d'onde. Ces quart d'onde à radian, elles sont super bien. Et d'ailleurs maintenant c'est celle-ci, là, cette quart d'onde. Cette Sirio que j'utilise pour mon SDR perso. Alors, petit truc quand même, parce que là, ma comparaison, elle est... Il manque un détail. Une 5/8, c'est très bien dans les endroits dégagés, où on voit loin à l'horizon, et sans particulièrement de QRM. Et demi-onde, quart d'onde, dans des endroits vallonnés, ou dans les secteurs où il y a du QRM.
un petit peu leur terrain de prédilection à toutes les deux. Pour écouter un peu de FM, je me mets en USB, qui est plus sensible au bruit de bande. Et dès que j'arrive à un endroit où il y a du bruit, je lance mon absent, je passe en FM et je vois. Azot. Bon, tant pis. J'aimerais bien trouver une balise. Santiago 2-3. Je sais pas ce que c'est que ce bruit, mais bon, il m'intéresse. Oui, c'est sensiblement la même chose. La 5/8e en plus, elle est perchée plus haute, elle est à 9 mètres du sol, 9 mètres sous antenne, bien entendu. La quart d'onde doit être à. Allez, un peu plus haut qu'un pignon de maison de plein pied, c'est-à-dire 5-6 mètres. Oui. Oui, autour de ça, oui, 6 mètres, oui. Donc déjà il y a un décalage dans la hauteur et on voit entre les deux types d'antennes que déjà au moins sur la réception il n'y a pas c'est vraiment insignifiant la différence qu'il y a entre les deux. Maintenant c'est en émission avec la Propag qui serait intéressant de faire un autre comparatif. Mais bon, Propag stable. Ah. Bon, là, on a du QRP. Ah oui, j'ai gratuit les PL. J'ai peut-être moins de QRM même là. C'est pas le même pignon. Mais ça récepte tout aussi bien. Alors là, on est sur le canal 31. Alors vous voyez,
Ce type d'antenne qui est pas mal dénigré là sur les réseaux sociaux, la quart d'onde avec les trois radians qui descendent, qui sont obliques, ben ça marche très bien. Là aussi, pas de tous. Ok. Santiago 6. Ah ben j'ai même un peu moins là. Bon, il y a peut-être la pampa qui a descendu à poil aussi. Faut que j'aille régler mon problème. Ouais. Alors c'est. Le fait que j'ai entendu un peu moins, c'est parce que c'est là pour pas que foutu le camp ailleurs. Alors, de mémoire, 26735. Il me semblait qu'il y avait une balise de ce côté-ci, pour ma part, sur la Gironde. Ah, je l'ai plus. Si elle est là. Ça va être coton là. Avec des pointes à 4-5. Continue. Allez. Bon, d'accord. Pointe à 4. Ouais, pointe à 4. Ah. Ok. La quart d'onde. Alors, qui peut affirmer que en réception, la 5/8e est forcément meilleure? Pas facile, hein? Un autre petit test. Là j'ai un T avec un coude. Ok. Puisque là on voit ce que ça donne. Alors ce que je vais faire là, c'est juste comme ça un test sans toucher le micro. Parce que là, je sais bien qu'au niveau impédance, là, je suis pas bon du tout. Je vais coupler les deux antennes sur le T. Ben, j'ai pas mieux.
peut-être un peu moins. Ouais, je suis même un peu moins. Eh ouais. Je perds même en réception. Quand on jumelle des antennes, juste à titre expérimental comme ça, faut bien vérifier l'impédance. Sinon, on obtient des résultats comme on vient d'avoir là, c'est-à-dire être perdant quelque part. Hop là, multibip. Et 73-51 des stations en fréquence que j'ai entendu dans le lointain de la part de Dandy 33. Oh, j'aime pas ça. Zut. Voilà, c'est mieux. Attention les stations en fréquence pour Dandy 33 qui lance appel. Ça veut pas. CQ CQ CQDX, appel de 14 kilomacs 3301 Rémi qui lance appel depuis le département de la Gironde. Sud-Ouest France. Bon allez, vu l'heure, je vais couper la vidéo là. Et 73-51 tous, 14 km, 33-01 Rémi, Dandy 33 sur la Gironde.